Pour l'établissement, pour l'Institut de la zone, c'est une chance extraordinaire et un plaisir aujourd'hui de signer cette convention avec la Fédération du Gard de handball, avec le club de hand de Bouillargues, club féminin, et avec l'USAM Nîmes-Gard. Parce que c'est vraiment, on conjugue les talents entre le côté pédagogique que nous assurons et le côté sportif qu'assurent les clubs. On a démarré il y a quelques années. Aujourd'hui, en 3 ans, on a triplé les effectifs, 98 élèves bénéficient de cette fantastique chance qui est à la fois de faire ses études et à la fois de pratiquer le sport qui les anime. C'est du plus, c'est du gagnant-gagnant et je remercie vraiment les deux clubs et la fédération de nous aider dans cette démarche-là. Bravo à tous les formateurs. Nous sommes toujours très heureux de partager ces moments de partenariat avec les autres organismes et surtout l'Institut Emmanuel d'Alzon. Et pour permettre à des jeunes filles de marier à la fois les études et le sport, c'est quand même une très très belle performance. Et le sport féminin en général a besoin de ce genre de soutien pour développer encore son dynamisme et ses actions. Dans le fonctionnement de cette section sportive, elle est très importante pour nous puisque, outre le partenariat particulier avec Bouillargues et l'USAM, c'est l'ensemble du territoire gardois qui est représenté dans votre établissement, dans l'établissement d'Alzon, pardon. Et donc il y a des enfants qui viennent de tous les horizons du Gard, donc c'est très très important pour nous. Très heureux de signer cette convention aujourd'hui avec l'établissement d'Alzon, parce que non seulement nous arrivons à développer cette section avec maintenant 98 élèves qui sont filles, garçons à l'intérieur de l'établissement, et puis des nouveautés que nous essayons d'apporter pour toujours mieux les accompagner, les faire évoluer, avec cette année un spécialiste des gardiens qui est Gabriel Bourguignon, qui va amener son expertise, et puis Greg De Treize, un ancien historique joueur du club de l'USAM, ancien pivot international, qui va lui aussi donner ses conseils et les accompagner. Donc toujours au soutien de vos élèves, de nos élèves, de nos super, je l'espère, futurs cracks. Et on va continuer cette belle aventure, je l'espère, encore longtemps.